ici Missing, on se retrouve pour l'épisode 45 du Challenge Apocalypse. Dans le dernier épisode, on s'est quitté sur l'anniversaire d'Atticus, qui est maintenant adolescent et qui dort encore dans son lit de petit garçon. Et qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Oui, on avait rajouté une baignoire et une douche dans la maison. On va continuer. Finalement, j'avais décidé que Atticus ferait une carrière d'ado, parce que j'en ai marre de devoir attendre dimanche pour acheter des choses, et j'aimerais bien aussi pouvoir les relooker un petit peu, parce que j'avoue que les choix du jeu sont un peu hasardeux, même si ça s'est arrangé depuis le début. On attendait que notre ami Dahlia gagne sa prochaine promotion, ce qui devrait peut-être se faire aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est que on va la réveiller, elle va utiliser, elle va prendre une douche tonifiante, puisque maintenant elle peut prendre une douche, donc elle va pouvoir essayer d'avoir le bon moulette. Et ensuite, où est-ce qu'elle va manger d'abord? Non, elle va manger d'abord. Hop, tu vas manger d'abord, comme ça, il n'y aura pas besoin de refaire à manger pour toi. Voilà. Toi, normalement, tu devrais pas aller à l'école, mais dès que tu te réveilles... T'es un niveau 3 dans une compétence. Eh bien, oui, ok. Mais dès que tu te réveilles, on va essayer de... Oula. On va essayer... Non. Ça, là, non. Je disais, dès que tu te réveilles, on va te faire gagner ton... je vais y arriver, c'est dur. On va te faire prendre ton job qui va être employé dans un magasin. Non, on va pas la fête. En espérant qu'on arrive à le débloquer plutôt rapidement. Normalement... Vu qu'il avait un A à l'école, il doit lui rester qu'un seul échelon, donc ça va aller plutôt vite. Et éventuellement, on va surveiller que le futur conjoint de Dahlia passe ou pas devant la maison. Ok, donc tu vas faire ça, on est content. Pouf, voilà. Et tu vas jouer un petit peu, donc t'as pris ta douche, tu es propre. Toi, tu dors. Toi, tu vas prendre une portion puisque ça ne te dérange pas. Voilà. On peut discuter si vous voulez. Juste faire un... Bon, l'ami énergisé. Est-ce que tu travailles aujourd'hui? Tu travailles, donc aujourd'hui ça va être tranquille. On va juste avoir Atticus à s'occuper. Et toi, tu te travailles bientôt. Dans une heure. Super, j'ai cru qu'on avait loupé le coche. Donc, tu vas utiliser. Tu vas prendre une douche. Voilà. Laisse-la. Voilà. T'as tout cassé. Donc, toi, tu vas. Dès que t'as fait, tu vas réparer ça. Hop, on va quand même surveiller Dahlia. Dahlia est malade, c'est génial. Hop, on va lui faire arrêter de jouer. Elle va aller ici. Et ici. Ou elle va aller au travail aussi, c'est bien. Donc tu vas au travail, tranquille, t'es de bonne humeur. Tout va bien. Super, donc toi, tu vas réparer les toilettes. Merci. Voilà. Tu vas aller réparer ce duo aussi. Tu vas les nettoyer. On va s'occuper des pièces. Hop. Dans l'inventaire. Dans l'inventaire. Et éventuellement, s'il y a le temps, on ira lui faire faire à manger. Hop, voilà, les pièces dans l'inventaire. Oups, raté. Hop.
Ouvrir, comme ça il y aura à manger pour Atticus. Je lui fais pas encore tout à fait confiance pour faire à manger. Voilà, donc hop. Dès qu'il aura fini. Non, alors je t'ai dit griller, fruits grillés s'il te plaît, merci. Toi, t'en es où? Est-ce que tu as assez dormi ou pas? Non, bon. On va te laisser dormir. Fabriquer un cadeau, super. Donc ça veut dire qu'elle va avoir sa promotion. On l'a déjà eu celui-là, donc. Oh, peut-être pas, je sais pas, on verra. Donc toi, dans 1 heure, tu travailles, donc tu veux faire ça. Pendant 13 minutes, donc non, tu vas pas faire ça, tu vas t'asseoir. Hop. Il y a Elodie qui passe. Hop, il va travailler. Il a l'air super content d'aller travailler. Oups, je sais pas qui c'était, mais. Donc toi, dès que tu fais nettoyer. Oui, je sais, t'es triste. Allez, tu vas nettoyer tout ça. Voilà. Demander clairement Debbie, faire des suggestions. Ouh. César entre dans le bureau de son patron, claque du poing sur la table et demande clairement un défi. Son patron, un peu décontenancé, mais apprécie cette audace et lui donne immédiatement une nouvelle mission. Bon. C'est très bien ça. Bon, on n'en a plus besoin, mais. Bon, éventuellement, il va peut-être avoir une promotion. Où il va gagner. De l'argent. Enfin, de l'argent. Oui, si, oui. Ah, vite, les factures. Mais elle est là, la boîte aux lettres. Depuis quand tu peux plus atteindre la boîte aux lettres? Voilà, donc tu vas payer les factures. Hop. Alors, oh ben, c'est raté. Alors, testing, cheats, on, money, 0. Testing, cheats, off. Voilà, alors, non, tu vas pas aller pleurer. Tu vas utiliser. Tu vas prendre une douche. Ça serait bien qu'il y ait une option dans la douche pour faire baisser le. Pour faire baisser la tristesse. Après tout, il pourrait pleurer dans sa douche. Il le fait, mais ça fait pas baisser ça. Félicitations pour ton anniversaire. Tiens, elle lui a pas donné un cadeau. Ah si. Hop, va nettoyer. Hop, alors. Il a pris tout le courrier qu'il y avait dans la boîte aux lettres. Super, elle lui a offert un énorme trilobite. Super. Donc toi, t'es revenu, mais t'as pas eu ta promotion. Tu l'auras après-demain. Ça va être dur. Donc tu vas utiliser toi. Non, attends. Oups. Travail, travail, travail. Pouf, pouf. Chercher un travail, trouver un emploi. Écoute, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez faire monter la compétence charisme de notre ami. Tu veux être employé de commerce de 18 à 22 heures. Énergisé. Et tu travailles demain et il te faut la compétence 2 en charisme. Donc, hop, tu vas aller voir ta tante et on va essayer de te faire gagner ça. Alors, on vient de faire illuminer la journée. Amical, complimenter sincèrement. Plus. Hein? Dans Gérald ou j'ai vu comité d'accueil? Je dois rêver. Je dois rêver. Ben non, c'est quoi ça? Comité d'accueil. Je sais pas, on va voir ce que c'est. Allez, au revoir. Ok. Ça doit être un bug, peut-être. Raconter une histoire dramatique. Pour raconter une histoire délicieuse. Toujours un ado, toi? Toujours un ado.
Stonefly, Buento per se halloop. Flubacord Frieza. Benoi. Nostaish. Chima Vimpa. Phoba Swash. Vim's Stoop. Ce serait bien s'il avait des. Noob. Dinks to Krause. S'il avait quelque chose pour faire monter ses compétences là. Ah, si, c'est bon. Tu demandais comment s'est passée la journée. Exprimer son admiration. Raconter une histoire délicieuse. Ou pas. Parce que du coup, une fois qu'il a ça, c'est fini, on n'a plus qu'à attendre que ça monte. Parce que 18 à 22 heures, super, t'atteins le niveau 2, on est content. Donc tu vas aller jouer aux échecs. Toi, tu vas manger. Hop, César est de retour. Il va manger aussi. Tiens, je l'ai jamais vu elle. Ça va être les futures génitrices pour Atticus. Donc bon. Hop, jouer au chat au truc. Voilà, donc toi tu, oh oui, toi tu travailles pas demain. En festival, on s'en fiche. Hop, toi tu vas aller aux toilettes. Et tu vas lire un livre, je sais pas lequel. Toi aussi. Hop, l'amour autant des sandwichs. Tout le monde lit. Voilà. Toi, tu vas continuer à faire monter ton divertissement. Tu vas faire tes devoirs. Il n'y a pas de tâche du jour. Nope. Non. Ensuite, il va faire ses devoirs. Félicitations pour ton emploi. Super. Bon, il va continuer un petit peu. Mais il va quand même faire ses devoirs. Vous en êtes où tous? Toi, t'en es là, ok. Après, du coup, t'auras juste besoin d'aller aux toilettes. Il est adulte, lui? Non, il est toujours ado. Toi, tu fais... Non, bon, non. Tu continues à lire, s'il te plaît. Lire à belle prise, s'il te plaît. Merci. Toi, tu vas nettoyer. Là, tu vas aller aux toilettes. Ensuite, tu vas faire tes devoirs. Pendant ce temps, toi, tu vas aller aux toilettes aussi. Et tu ranges ton livre par terre, super. Tu vas aider à faire les devoirs. Là. Toi, tu vas continuer à lire. Voilà. Et du coup, tu vas aller aux toilettes, tu vas prendre une douche. Et tu vas pouvoir aller dormir. Non, et tu vas lui parler un petit peu. T'auras fini ta douche. Toi, tu peux faire du travail supplémentaire. Tu vas en faire. Pff,
Je considère que j'ai l'âge d'aller où je veux, faire ce que je veux. Pourrais-tu me traiter comme une personne adulte? Tu seras toujours mon bébé. Non, c'est trop tôt, super. On s'en fiche. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Bon, tu l'as fini ta douche, toi? Bébé. Allez, tu veux lui parler, de toute façon, demain tu travailles pas. Ce serait bien si éventuellement on pouvait lui demander, dis-moi, c'est quand bientôt ton anniversaire? Il a pris un peu de poids depuis la dernière fois, non? Bon, il est un peu maigrichon, mais bon, tant pis. Complimenter la tenue. Elle est magnifique ta tenue. Je suggérerais de s'entraîner. Oui, parce qu'il faudrait prendre un petit peu de... Un peu de poids. Il a pas l'air convaincu. Ah. Il va où là? Je dois vraiment y aller, c'était sympa. Super, bon. Du coup, elle va aller dormir et. Toi, tu vas refaire à manger. Le magnifique trilobite que sa mère lui a offert. Et les devoirs sont pas finis encore. Hop. C'est fini les devoirs? Non, pas encore. Voilà, hop, va nettoyer. Oups. Va nettoyer. Bon, déjà, il a l'air d'avoir son divertissement qui baisse moins vite que celui de son père quand ils avaient le même âge. Bon, toi, t'es niveau 5, super. Tu peux poser le plat, s'il te plaît, merci. Hop. Prends une portion. Prends une portion. Non, alors tu vas pas faire d'autres enfants, s'il te plaît. Hein, ça suffit. De toute façon. Ah, mais non, t'as déjà fêté ton anniversaire dans 17 jours. Quand il va. Quand Dalia va débloquer sa carrière, on va pouvoir bouger le lit. Oh. Jules. Censé être la boniche, t'es pas censé tout casser. Enfin, t'étais censé être la boniche. Oui, alors va nettoyer ton assiette, s'il te plaît. Non, et t'appelles ça nettoyer ton assiette? Oui, alors je sais que tu veux discuter avec ton grand-père, mais. Là, puis va dormir. Voilà, discute avec ton père, mais dépêche-toi de finir ton assiette, s'il te plaît, merci. Alors, il est en train de denter le journal intime, tout à fait. Bravo, Jules. Allez, vas-y, va nettoyer l'assiette. Répare les vis, s'il te plaît, merci. Essuie. Jette. Ah, mais il travaille, lui, en plus. Bon, c'est pas grave. Et voilà, tu vas dormir. Je te connais, tu vas aller faire une sieste. Voilà, tout le monde va dormir, c'est dommage, on n'a pas... On va pas pouvoir avoir la vitesse ultime puisqu'il y a des fantômes. Ce serait bien qu'ils changent ça, ils l'ont fait pour les animaux, si les animaux dorment, on a la vitesse ultime. Mais là, du coup, pour les fantômes, c'est embêtant. Bon, a priori, à partir de 6h. De toute façon, toi, tu travailles pas, donc on va pas louper ton travail. Toi, tu vas à l'école. Je sais pas en combien de temps on va rester, peut-être qu'avant la fin de la semaine. Ah non, stop! Alors attendez. Hop. Verrouiller. Est-ce que ça va marcher si je fais verrouiller la porte pour tout le monde sauf les membres du foyer? La porte est fermée, je peux pas rentrer. Alors le jeu veut absolument que j'aille là. Non, tu peux pas. Oui, il y a une voiture qui passe.
Ça marche pas, tu peux pas rentrer, je t'ai fermé la porte. Alors le jeu va forcément... tu peux pas rentrer... Bon, c'est dommage parce que du coup... C'est toujours toi ? Ah mais c'est un fantôme, il va rester là. Oui, je sais qu'il est là. Tu peux le faire partir maintenant ? Ok, donc elle a trouvé le chemin des assiettes, c'est génial. Oui, mais je sais qu'il est là, c'est pas possible. Mais je sais qu'il est là ! Il peut pas rentrer, la porte est fermée. Bon, tu peux lui dire de partir ? Non mais je sais qu'il est là, non mais ça va pas le faire là. Mais... Bon, finis ton assiette, on va lui dire de partir. Parce que là, il est pénible. Bon. Présentation chaleureuse... Non, polie, tiens. On va faire une présentation polie. Présentation polie. Vas-y. Hop, et tu peux lui dire de partir après. Bonjour. Waouh. Ah, c'est bien ça. Je suggérais de s'entraîner. Ah non, je veux pas vraiment une transformation. Ouais, tu peux partir si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Le sim. Bah, vas-y, pars. Tu nous as assez... Ah mais je l'ai réparé avant de partir. C'est pas possible ça. Atticus. On va le réveiller. Il va aller aux toilettes. Il va prendre une douche. Hop. Non, toi. Tu vas jeter. Tu vas essuyer. Ah, qu'est-ce que c'est bien la douche quand même. Plus besoin de passer 3 ans à leur dire d'aller nettoyer la douche. Qu'est-ce que tu vas nettoyer? Tu vas prendre une assiette, oui. Toi, une fois que t'as fini, mets dans un sac en papier pour le déjeuner. Hop, tu peux utiliser et prendre une douche. Et tu veux pas te le mettre dans ton inventaire direct, non, c'est pas possible. Voilà. Et aujourd'hui, ben, je sais pas trop ce qu'on va faire du coup. Tiens, tu veux nettoyer ça. Ah, je veux dire, tu vas devoir aller. Non, je veux dire, tu vas devoir aller travailler, vérifions quand même. Dans 2 heures. T'as un peu de temps. Tu veux pas nettoyer, tiens. Non. Là. Ensuite, tu vas aller aux toilettes et prendre une douche. Maintenant que toi t'as fini, ranger les livres. Voilà, range tout. Mais ils sont. D'accord, il y en a partout. Mais tu vas aller frapper. Hein. Vu que de toute façon, tu as rien d'avoir d'autre à faire aujourd'hui. Non, on va travailler davantage. Super. Hop. 57, 58, 59. Tu vas pas jouer, tu vas aller travailler. Hop, c'est l'heure d'aller travailler. Et hop. C'est parti. Donc on va attendre que Atticus revienne de l'école. Hop, c'est... Non, tu vas faire quoi toi? On va nettoyer si tu veux. C'est bien, elle fait le ménage toute seule. Voilà. Maintenant tu vas ranger dans ton... Super, maintenant tu peux aller repousser tes limites s'il te plaît, merci. En attendant,
César veut impressionner son patron pour obtenir une promotion. Comment doit-il procéder? Oula! César prend l'initiative de s'attaquer à une tâche totalement négligée que personne d'autre ne voudrait faire. Tout le monde est surpris de voir que c'est enfin fait, en particulier le patron de César qui est vraiment impressionné. Peut-être suffisamment pour lui donner bientôt une promotion. Oui, enfin... il peut pas aller plus que ça quand même. Au pire, il va gagner plus d'argent, mais c'est tout. Toi... Ok... Super... Quand Ticus va rentrer, on va lui faire prendre une douche tonifiante. Sa tante va s'occuper de le gonfler à bloc, comme ça il sera énergisé. Et voilà. On verra bien où ça nous mène. Donc normalement il arrive dans 1 heure. Hop. Donc ce qui est bien, c'est que quand elle va débloquer sa carrière, je sais pas qui c'est, Nobuya, mais... alors, toi, déjà, oups, raté, tu vas aller aux toilettes, tu vas aller jouer, et vers 17h, toi tu vas venir là, tu vas faire à manger... Hop. 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 Tu vas aller faire à manger pour Atticus. On va essayer qu'il soit en pleine forme pour aller travailler. Hop, griller. Fruits grillés. Là, donc, on va le faire jouer un petit peu. T'as pas mangé ton repas. T'as pas mangé ton repas. En plus maintenant il est... Hop, bah tiens toi tu vas... Non, bon, tu vas aller... Ce qu'on va faire c'est qu'on va le glisser dans la poubelle. Hop, voilà. Toi, t'as joué. Maintenant t'as faim, tu vas manger. Toi, t'as faim, tu vas manger. Et toi, t'as envie de jouer, donc tu vas aller jouer. Bon, non, tu parles pas par contre, tu le laisses manger s'il te plaît, merci. Allez, mange. Hop. Donc, t'as assez mangé. Tu vas prendre une douche tonifiante. S'il te plaît, ne va pas. Voilà, super. Ne va pas. Voilà, tu vas prendre ta douche tonifiante. Toi, tu vas nettoyer ça. C'est bon, tu peux arrêter ta douche. Tu vas t'asseoir là. Voilà, attends, stop. Amical. Je peux faire gonfler à bloc. Non, amical. Demander comment s'est passé la journée. Discuter des inondations. Bon, je peux pas. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire pipi. Elle va prendre une douche. Et lui, il va lire un livre en attendant d'aller travailler. Qui va... Non, mais tu vas aller travailler. Bon, toi, t'es toujours ado ou pas? Ado. Ado, bon. Et toi aussi? Toi aussi. Hop. Travailler dur, s'il te plaît, merci. Et toi, toi, tu vas manger, prendre une portion. Toi, t'es en super forme. Tu vas finir ta douche. Tu vas la réparer.
C'est la première fois qu'elle casse, peut-être pas la dernière. Ok, super. Je vais essuyer. On va virer les pièces. Hop. Dans l'inventaire. Dans l'inventaire, voilà. Et ensuite, tu vas aller dormir dans ton lit, forcément. C'est mieux. Ah, toi aussi, t'as des pièces. Tout le monde a des pièces. Ouais. Du coup, on va attendre que Atticus revienne du travail et on ira le coucher. Pouf, va nettoyer ça. Hop, va nettoyer ça s'il te plaît. Je crois qu'il revient à 20h. Je sais plus. En tout cas, toi, tu vas aller dormir. Non, tu vas dormir, j'ai du mal. Ah non, il revient pas à 20h. Il revient à 22h. Bon, potentiellement, peut-être lui faire gagner sa promotion. Alors, il revient du travail, il a envie de jouer. Bon, on va le faire jouer un petit peu. Hop, comme ça. Et puis, il fera pas ses devoirs. Il fera ses devoirs quand il aura sa promotion. Hop, on va le faire jouer un petit peu pour qu'il revienne dans le vert. Et on va aller le coucher. Comme ça. Jusqu'à minuit. Voilà, hop. Donc, tu vas dormir. Hop. Parce que bon, potentiellement, il peut peut-être avoir sa promotion. Ouais, avant la fin de la semaine, je pense. Jeudi, vendredi. Voilà. Donc, il est couché. Pouf, nous, on va s'arrêter là. Donc, dans l'épisode prochain, je pense qu'on va avoir le dernier niveau de Dahlia. Enfin, elle va arriver à son dernier niveau. Et on va continuer à faire monter notre ami Atticus pour essayer de débloquer le catalogue achat. Donc, en fait, pouvoir utiliser le catalogue achat même si on n'est pas dimanche. Et pouvoir aller dans le casse pour modifier leur apparence une fois que ça sera débloqué. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vais aller vérifier dans la gestion des foyers s'il n'y a pas un prétendant pour Dahlia, on ne sait jamais. Et on se retrouve au prochain épisode. Salut !